fou, Christian. Bon, on a pas dit pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà les amis, on t'aimax, faut faire gaffe. Parce qu'apparemment... À fuir comme la peste. Non. Là, il est un petit peu énervé, mais il va le rekiffer dès demain. Ah non. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Déjà que je l'aimais pas à la base. Salut la fouinasse. Qu'est-ce que tu fais demain? Parce que j'étais sur le bon cul, là. J'ai contacté un mec pour un 560 T-Max, la Grinardo, comme je les kiffe. Et j'avoue que j'ai bien envie d'aller le pécho demain. Donc si t'es dispo, on pourra aller faire un petit saut là-bas. Ça nous ferait faire un petit trip, un petit road trip là, à l'arrache comme d'hab. Kiffe bien les T-Max. Le problème de ces trucs-là, c'est qu'il y a énormément d'électronique. Et il a eu, en fait, à la pompe, un micro-bug entre le moment c'est pas un micro-bug, c'est un bug complet. Ouais, mais entre le moment que t'as démarré, t'as éteint et puis t'as touché ton bouton. Ce qui fait que, en fait, il s'est mis en mode sécurité. On a réussi grâce à un tuto que je vais vous mettre en fait en lien dans ma description. C'est très important parce que tu vois, les tutos, c'est super important sur YouTube de nos jours. Et il y a un mec, donc c'est Paris 15e, je crois, ou un truc comme ça, Yamaha Paris 15e. Il explique le truc. Avec le code, faut appuyer sur le bouton et tout. Et réellement, il n'y aurait pas eu le tuto, nous on n'était pas du tout au courant. Et ben, on était là comme des cons, jusqu'à mardi. Hein? Bah oui. Hein. Bon, ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Pourquoi ça va pas mieux? Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les tracistes, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que la selle d'origine, bah, j'ai pas tant de mal au cul que ça. Par contre, j'ai un problème, enfin, je trouve que j'ai un problème, alors c'est peut-être dans ma tête, c'est ce que Rémi m'a dit tout à l'heure, parce que tu ressens ça aussi, mais moi j'ai l'impression que cette poignée-là, elle chauffe plus que celle-là, d'accord? Et puis, bah, par ça, c'est tout. Ah, et puis le rajout du rajout sur la boule d'origine, bah, c'est pas si mal. Pour 20 euros, réellement, ça fait bien le taf. Effectivement, elle bouge un tout petit peu quand il y a réellement beaucoup de vent. Hier, la tempête Diego nous l'a bien prouvé, mais à part ça, franchement, les amis, ça se passe relativement bien au niveau du vent, au niveau de la protection du vent, de la pluie, etc., etc. On continue vers le sud, c'est par là-bas. Et puis, bah voilà. Hein. Allez, viens. Arrête de bouder. On va manquer de lumière. Bon, il est là, lui. La tour du guet sur de l'herbe, on pourra pas monter, mon gars. Tu veux monter là oui. Sur du humide comme ça, un top 2. On cherche un petit endroit pour notre petite tente. Oui. Ça va, il y a du goudron. Ça monte de ouf là, hein. Alors pour le coup ça va moins bien. Et en plus j'ai beaucoup de poids à l'arrière. Ouais. On reste là ou on continue? Encore un petit peu. Hein? Encore un peu. Là ça monte encore. Malade. Espère bien. Allez, tu peux être avant. Bizarrement les amis, je me sens quand même confiant avec cette moto surchargée. J'ai confiance franchement, hein. Ça sert rien. Hein. Après, effectivement, ça monte grave et puis bah, la machine ou les machines sont pas du tout faites pour ça. Mais bon, on est des cons, qu'est-ce que tu veux. Là, je pense qu'on est bien, non? Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est bien plus humide que tout à l'heure. Bah, de toute façon, il y aura de l'humidité partout. Hein. Non, mais tout à l'heure. Que ce matin? Non, que tout à l'heure, un peu plus en bas, là. Alors, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a flotté ici, même le goudron tout à l'heure il était mouillé. Ouais. Là on peut monter, tu crois ou pas? Non. Chaud patate? Hein? Chaud patate? Je t'attends.
t'attends, vas-y. Ah, tu m'as dit je t'attends? Ah oui, oui. Si je tombe? Ah bah, si je tombe? Moi? T'as raison d'y croire. Moi, j'ai juste peur de faire une grosse crevaison. Ah bah, ça. J'ai pensé pendant tout le tour avec mon pneu arrière. Ah, c'est silencieux, hein. Là on est bien. Par contre, pour faire un feu, je sais pas. Pourquoi? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y aura pas tant de bois que ça qui va traîner par terre. Alors, c'est peut-être une impression. On va aller en chercher, mon gilet, lors de question qu'il n'y a pas de feu, hein. Il fait bon, là, non? Il caille sa race, oui. Ah bon? Il fait moins 1000, je suis gelé comme une merde. C'est vrai? Elle peut s'enfoncer quand même, cette saloperie. Déconne pas, hein. Ici, ce serait vraiment pas drôle. Voilà. C'est un peu plus stable, ça? Ouais, je sais pas. Tu voulais être au milieu de nulle part et faire n'importe quoi? Là, oui. Ouais, mais je voulais une plus belle vue que ça. Pour descendre, ça n'est pas... Les amis, voici notre position. En gros, on est au milieu d'une forêt, tout en haut d'une montagne, avec une route pas si facile que ça pour nos machines. Et tu as compris que l'idée première, c'était de faire un petit campement sympa avec une vue magnifique du matin. Faire un petit coup de drone avec le lever du soleil et vous faire rêver un tout petit peu. Eh ben, la théorie dans nos têtes n'a rien à voir avec la pratique. Pour commencer, l'endroit est humide et relativement froid, surtout en ce moment. Et nous, complètement fatigués, surtout après la journée qu'on a passée. T'as qu'à regarder l'épisode 1. En plus de ça, les batteries des GoPro sont complètement vides. Donc on cherche une excuse pour trouver un hôtel. Au début, on a commencé à chercher autour de nous. Les tarifs, laisse tomber dans la région, c'est assez cher. Donc on a commencé à chercher un tout petit peu plus loin. Et on a trouvé. Celui-là, même s'il n'était pas à côté, par téléphone la dame était sympa, plutôt arrangeante au niveau des horaires vu qu'on arrivait tard, pas trop cher, et puis surtout il y avait une place de parking. Petit déjeuner offert. Donc on a réservé, plus qu'à descendre cette satanée de montagne. Et je peux te dire que c'est comme grimper un arbre. Pour grimper c'est facile, mais à descendre, c'est pas la même histoire. Évidemment j'ai rien filmé, plus de batterie dans les GoPro. Tourné tellement on était usé, et vu que Christian, comme d'habitude, c'est un crevard, il s'est jeté sur le grand lit et que là il est sur la douche, enfin plutôt dans la douche. Je vais essayer de l'emmerder un peu parce que d'habitude c'est tout le temps lui, et là ça fait une demi-heure qu'il est sous la douche. Bah tu vas te galérer avec la pompe de douche. Parce que... Ouais, lui qui fait des têtes. C'est chiant. Eh ben les amis, jour 2. On était dans un petit hôtel, au milieu des Pyrénées, c'est magnifique. De nuit, dans les montagnes, ça faisait pas aussi rocheux que ça. Jour 2 les gars, on est là. On est là. Bon, hier, ça lui a pas suffi, ces petites bricoles. Maintenant, il commence à démonter le pot d'échappement pour faire du bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah attends, faut que je prenne ma pince. Bah prends ta pince. La pince qui nous a sauvés à de multiples reprises. Exactement. D'où son nom. La pince multiprise. Alors les amis, quand vous partez en voyage, surtout pensez à une chose, la clé à molette IKEA. Bah t'en as déjà enlevé un, c'est bien. Non mais je vais pas en enlever qu'un, t'es con. Ça bouge un petit peu on dirait. Non, ça ne va pas du tout. Ah, putain, faut pas perdre de bon au carbone, ça peut valoir une blinde ça. 300 et quelques boules. Quoi ça là? Ouais. Bah, on est chez Yamaha, chez Akrapovic.
regardez-moi cette montagne. La journée commence bien. Il fait beau. Et il fait surtout chaud. 11 degrés. Ah, celui-là, il est beau. Il est beau. Gauche et droite et gauche. Là il y aura un droite après. Attends, je file en même temps. Hop là. J'ai l'impression qu'elle tire moins qu'avant. Le mode que j'ai mis, c'est pas le bon. Tiens, là, viens là, Rémi. Bah, tiens, ouais, faut qu'on prenne une photo. Viens, viens. On a fait une pause pour prendre quelques vidéos de drone. Et puis Christian. Et puis Christian, il filme des gens. Bonne route à vous. Amis, il y a un peu de vent, ça caille quand même un petit peu aussi, mais on y est, on est à la frontière, donc bah là faut attendre le petit ouvert et on traverse le gros tunnel.
Mince, pour le coup, ça passe pas. Oh. Bah, tu vas te cacher pour pisser ou quoi? Et le vent, il est glacé et il y a un vent de dingue. Bon les amis, on s'arrête pour faire une petite pause et pour vous montrer deux trucs. Le premier truc, c'est pile les 1000 km où on se trouve à partir du moment qu'on a cassé les compteurs en France, à notre domicile. Au même temps, je le précise bien, au même temps, parce que... Alors, montre-leur ton compteur des 1000 km pile poil. Ah, 1100, voilà. Et on s'est dit un truc assez intéressant, c'est que les traceurs et les T-Max ne voient pas les kilomètres de la même manière. Parce que moi, bizarrement, je suis à 1014,5, tu vois, hop là. Donc on a bien compris qu'elles sont mal calibrées, enfin, etc. Mais sur 1000 km, 14 km d'écart. Quel est l'écart à 20 000 bornes? Allez, à vos calculettes, mettez-moi ça dans les commentaires. Et nous, on continue. Ah, j'ai la gueule qui me prend. Je suis brûlé ou quoi? Regarde ma gueule, tu crois qu'il n'y a pas de soleil? On est cramé. Mais on mange un Louisiana chicken. Ou kitchen. En plus, c'est un kitchen. Louisiana kitchen. Ouais. Et pas de chicken. Ouais. Bon, tout à l'heure, on a dit chicken. Ouais. Le Remser, on va pas en Pologne parce qu'il neige, alors du coup on a préféré prendre la chaleur de l'Espagne. Voilà les amis, il est temps de finir cet épisode. J'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder tout autant que moi à le filmer et surtout à le monter. Dans le prochain épisode, vous aurez de la chaleur humaine. Toute la nuit. Et l'autre qui ronfle, et de l'autre côté, ça fait du bruit. Mais je couche à 4h, levé à 7h30. Attends. Et après, vous ne croyez pas qu'on passe des journées difficiles. Bah, il est en bug. Trop d'informations d'un coup, je pense. Et du coup, t'as une amende, t'as quoi? Ouais,
qu'ils aillent se faire enculer, rien, je paierai. T'as eu une demande ? Rien du tout. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des rencontres, des paysages et la route. Allez les amis, soyez patients, prenez soin de vous, et puis bah, à bientôt sur d'autres aventures. Gros bisous à tous, ciao.